Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous présente un tuto pour récupérer le crâne de Nan Sapue directement sur Zetsubou No Shima. En plus, il s'agit d'un trophée, voilà, et d'une arme vraiment redoutable. Comment faire Première étape, vous partez sur la droite du spawn, vous arrivez dans cette pièce, vous voyez cette pierre avec des crânes rouges, à chaque crâne appartient un logo. C'est important puisqu'après ce logo se situe sur une stèle, il va donc falloir déposer le crâne correspondant à la stèle. La première stèle est ici dans la salle du spawn tout au début. La deuxième, vous partez comme moi sur la gauche de la map, il faudra ouvrir cette porte ici. Et juste au fond, en bas au milieu, on voit bien la stèle avec elle, son propre logo qui n'est pas le même que le premier. Donc il faudra bien déposer le crâne correspondant. De toute façon, si vous n'avez pas le bon crâne, vous ne pourrez pas le poser. Voilà. Donc si vous arrivez à poser le, le crâne, c'est tout simplement que vous êtes à la bonne stèle. Et les deux dernières stèles, elles, vont être directement au bunker. Donc on rentre dans le bunker. Il y a une première qui va être au niveau du pack a punch. Vous allez voir juste un peu plus loin ici à gauche. Vous rentrez ensuite dans la salle du courant. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas comment mettre le courant, je vous invite à aller voir le tuto qu'on a sorti. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà la troisième stèle, donc avec son logo qui est différent des deux premières. Et la quatrième stèle qui, elle, va se situer tout au bout du bunker. Il faudra donc descendre au sous-sol. Donc, juste après les bidons jaunes, vous allez pouvoir descendre via l'escalier. Et tout au bout du sous-sol, il y aura directement la stèle. Voilà donc juste ici, quand vous posez votre crâne, il y a des zombies qui vont spawn. Il faudra bien faire attention que les zombies n'approchent pas le crâne, tout simplement parce qu'en fait la stèle va nettoyer le crâne, il faut purifier ce crâne. Alors vous voyez qu'il y a des zombies qui spawnent, attention ces zombies ne sont pas comptés comme des zombies de la manche, c'est-à-dire que si vous tuez le dernier zombie de la manche, eh bien ça va passer la manche. Ces zombies ne compteront pas contre des zombies de manche, ils vont rester là. Et attention également, ces zombies ne donnent pas de points. Vous ne pourrez pas faire de points en tuant ces zombies également. Bien faire attention que aucun zombie n'approche le, le crâne, tout simplement. De temps en temps, vous allez pouvoir avoir des araignées qui vont spawn ou encore des bêtes. Même chose, il faut être assez prudent. On s'est mis deux par deux, mais franchement, il n'y a pas de grande difficulté. Vous voyez, les zombies, ils courent pas. Ils sont assez lents et voilà, on a purifié le crâne. Donc là, on peut le récupérer. Vous voyez qu'il est blanc désormais, qu'il était déposé sur la stèle, il était descendu. Du coup, c'est impeccable. Une fois que chacun a fait son crâne, vous pouvez retourner directement sur l'autel sur lequel on les a pris au début. On va déposer le crâne. Donc vous voyez, il y avait déjà trois crânes de poser. Je vais poser le mien. Voilà et là une pièce secrète va s'ouvrir sous l'arbre il y a un escalier qui va descendre et vous avez un sous-sol alors là l'animation je l'ai kiffée elle était vraiment super jolie et vous allez descendre et là on va apercevoir le crâne de Nansapoe mais celui-ci aussi il va falloir le purifier tout simplement en tuant des sorcières à proximité donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de sorcières qui vont spawn alors elles sont assez faciles à tuer mais faites attention à ne pas vous bloquer. Nous, on a laissé une personne tourner euh, un peu plus. Voilà, on s'est mis un peu plus à l'écart. Et vous tuez les sorcières à proximité. Franchement, euh, ça passe crème, c'est assez simple. Donc, euh, cette arme, elle est vraiment redoutable, comme je vous le disais. Elle s'utilise avec L1 plus R1. Comme les Ragnarok DG4 sur Derazen Rare ou encore euh, sur Shadow of Evil avec l'épée. Voilà, donc c'est à dire qu'il faut tuer des zombies pour recharger l'arme pour pouvoir l'utiliser. Cette arme elle a deux, deux utilisations différentes. Pardon, vous pouvez soit hypnotiser les zombies, c'est à dire que vous, quand vous appuyez sur L2, les zombies vont s'arrêter complètement. Ils vont complètement s'arrêter. Et avec la touche R2, vous allez pouvoir les tuer. Donc je vous ai mis un exemple directement à la fin de la vidéo sur l'utilisation de cette arme. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme donc, qui s'appelle le crâne de Sapwe. Franchement, moi, je la trouve vraiment terrible. Le skin, il est super joli et euh, franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment stylé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss